Voilà, je récupère un peu au niveau des pieds. Faut que je me préserve encore pour. Sur les bitumes. Ouais, pour la partie plastane. Ça va faire encore une longue trotte. Ouais. Et tu. Ouais. Et je. Tu filmes jusqu'à la plastane? Je pense. Ah, ok. À moins que tu veuilles pas. Si, tu peux. Si, ok. C'est pas bon. Ça me pose le problème. De toute façon, je vais plastane aussi. Oui, bah oui. Ah. Oh, vous deux, Dieu. J'ai aucune idée de ce que je vais me mettre sous la dent ce soir. Faut dire aussi, dans les miens, j'ai pas faim, comme je suis encore dans le feu de l'action et de la marche. Je pense plus à l'idée de me décrasser avec une bonne douche, c'est de me rafraîchir, que de manger un morceau. Là, c'est moins large. Ouais. Et les vélos, du coup, passent sur la route. C'est là, je vais jeter un coup d'œil dans la rue. Je connais cette rue, je connais. Ouais, ouais. Là, on était en face au départ. La fameuse rive opposée. Je sais pas si on va par-dessus la barrière. On a démarré là-bas. Ouais. Ouais, ouais, on a activé la caméra près du vieux pont. Je suis passé derrière toi, ça sera mieux. Ouais, ouais, c'est trop étroit. Il y avait du monde. Oh, c'est... Ah non, je crois que c'est un Yuski, mais pas du tout. C'est. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Discours sur la charge mentale, nanana. J'ai entendu le mot clé qu'a prononcé la demoiselle qu'on a croisée sur effectivement la charge mentale en psychologie. Ouais. C'est le fait d'être oppressé au quotidien, d'avoir trop de choses à penser. À gérer, c'est très important. Les arbres changent de côté, t'as vu? Oui, les arbres changent de côté, oui. Ouais. Est-ce que tu avais donné les liens sur ton, quand tu avais fait la diffusion de notre balade, le lien pour la plastane et webcam? J'ai fait carrément une commande dans le dans mon Twitch Wisebot. Ah oui. Qui fait point d'exclamation Nancy, point d'exclamation webcam. T'as le lien. D'accord. Ouais, ouais. Ah, merci, j'ai mis des gamins. Ah, c'est encore pire de filmer des gamins par accident. Ah. Voilà, à l'escalier, je vais... remballer la batterie. Waouh.
escalier. Ah. Ouais, d'ailleurs, je suis surpris de la croche du vélo. Tiens, toi qui parlais des vélos qui se font voler. Ah oui. Ouais. Ah bah d'ailleurs, c'est mon vélo. Ah. Moi, j'aime mieux que ce soit ton vélo. Oh mon Dieu. Alors. On assure un petit peu. Oui, bah sur toi, n'hésite pas. On va me boire un petit coup. En plein milieu, c'est déjà pas que... Alors, comment réagit si je débranche le... Ouais, je pense qu'il reprend au niveau de la batterie. C'est bien, ça interrompt pas la vidéo. La classe. Oh, ça n'a pas bouffé beaucoup, 84% il me reste. La batterie externe, je parle. La bête, là. J'ai rangé ça où ? Alors, pardon pour l'effet gerbotron, c'est pas souhaité, mais je suis obligé d'user mes deux mains. Et là, je vais boire un coup, excusez-moi. Désolé. Non, attends, tu feras un bord après, excuse-moi. Je vais tenir la caméra si tu veux, le temps que je boive. Voilà, c'est vas-y, profite. T'as le papier qui s'est mis sur le cadeau. Ah oui, comment ça glissait ? Oui, je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Je suis bien crevé. Content de rentrer. C'était très bien comme balade, mais ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de kilomètres. Ouais, j'ai pas compté, mais t'as peut-être fait 15 bornes aller-retour, je crois. Parce qu'il me semble que je suis allé. Ouais. Non, je suis allé un moment. Je sais pas si on va me voir bien parce que j'ai là, j'ai pas détaché ce que j'ai autour du cou. J'avoue que j'ai mal à la plante des pieds là depuis le retour. Mais... Pardon ? Non, je vais pas m'asseoir. Non, on va continuer. Non, je suis motivé par l'idée de rentrer chez moi au final et je te dis de prendre ma douche. Et puis si vous pouvez éviter la flotte dans la tronche, ce serait bien. Qu'est-ce qui est pas loin ? La Plassade. Ah oui. Oui, une fois qu'on est là, la Plassade n'est pas trop lointaine. Le passage de vitesse. Il a un poil nerveux, monsieur. Je me retrouve comme moi. Ouais, non, là, ça craint ce qu'il a fait. Il va peut-être faire un accident. Oui, ça rend un petit peu nerveux tout le monde. Ah, voilà la fameuse voie ferrée dont je parlais. Ouais, la fameuse voie, ouais. Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est un point de route et là-bas, c'est un point de magasin dont je parlais. Je vais bien y aller, puis il y a des petits chocolats que j'aime bien. Ouais. Ouais. Bah là pour le moment ça bouge pas, mais ce qui me dérange, tu vois, c'est au niveau du panneau de travaux. Et est-ce que la passerelle elle va
Elle va plus être dispo pour les piétons pendant, hein, pendant 3 mois. On va se laisser sur le panneau. Fond jaune. C'est passerelle là, non? C'est ça. Si. Celle-là, si. Non. T'as compris l'inverse. Ah, ok, c'est l'inverse. C'est la partie piéton qui va sauter. Donc, moi, quand j'aurai passé en tant que piéton ou cycliste, ou automobiliste, je vais devoir me coltiner le pont-levis comme tout le monde. Ah oui. Ça m'arrange pas du tout. Bref. Prenons cette passerelle justement, pour le fun. Ah, une autre fois. D'accord. Ah, désolé, une autre fois. Ça va faire point de vue du canal. Mais... Oh là, promis, la prochaine fois on le fera. T'inquiète pas, on aura d'autres occasions. Mais là, je renonce à monter les quelques marches de la passerelle. D'accord. On fera la version nouvelle. Oui, c'est ça. Alors attention, le trottoir est étroit, je me fais toujours avec les bagnoles. J'ai toujours peur de me faire télescoper quand je passe par ici. Ah, je suis dans le doute, hein. On va peut-être éviter la pluie. La pluie arrivera plus tard. Ah, peut-être plus bol. Mais là, le vent frais fait du bien. Ah, je me sens vivant. Alors, on va éviter le monsieur en passant derrière le véhicule. Histoire qu'il voit qu'il puisse s'élancer. Peut-être traverser. Ouais, maintenant. Oui, je suis vilain. Ouais, parce que direct coltinière, c'est plus rapide. Ça, voilà, ça m'évitera de me coltiner un feu. En plus, c'est mon droit, c'est pas bien, de plus de 25 mètres. Oui, oui, il y a une tolérance. En plus, j'ai bien vu qu'il y avait personne qui... Il y avait personne qui s'engageait, ça passait. Alors vous l'avez pas vu, mais il y avait une grille de garage qui s'ouvrait sur ma gauche. Il y avait une belle Porsche. Ouais, une Porsche. Pourtant j'ai pas tapé la commande GT, je comprends. Ah oui, c'est ça. C'est ça. GT orgasme toujours. Ouais. Oula, mais qu'est-ce qu'il bloque le carrefour? Ah oui, c'est...
Ah oui, j'avais commencé à flipper, je me disais je commence à avoir pas d'autres civilisations plus loin, mais non. Bon. J'ai mal analysé ce que j'avais devant moi. Ça peut être soudé à la façade dont on voit les briques. Ah, oui. Pas les briques, les pierres. Ouais. Oh, c'est qu'un détail. Des belles maisons propres là. Avec des plantes là. Ouais. Les briques rouges à gauche. C'est ça. Oh merde. Voilà, pause. Ça calme. Ah, c'est vert pour les tutures. Ah, c'est vert pour nous. Vous avouez qu'à cette heure-ci, je le confesse, je suis claqué. Moi, je suis étonné par le grand pylône qui est là. Ah oui, le pilier. Oui, bah oui. En fait, c'est juste une porte décorative. Oui. Pardon. Je baille. T'as toujours ton chapeau ? Ah. Non, mais là, je suis tellement au niveau de la tête que je l'ai retiré. Voilà, là on fait un retour sur Nancy Plastane via la pépinière. On va voir les stands du livre sur la place.
Alors là, tu passes devant. C'est à toi d'ouvrir la voie. Ah non, tu veux pas. Dans les jardins. C'est ouvert encore. Des gens habillés 1900. Ouais, c'est bien. C'est beau. Mais il y avait eu par le passé une grande exhibition. Je ne sais plus si c'était en gros bal costumé sur la place Tan ou une exhibition des costumes du théâtre ou de l'opéra de Nancy. C'était beau. Ouais. J'avais vu un diaporama photo, c'était classe. C'est sympa. D'ailleurs, je m'étonnais qu'il n'y ait pas ce genre d'événement plus régulièrement. Parce que franchement, c'est stylé. Oula, il y a des enfants. Ah, bonjour. Ah. Ah, les enfants. Oh, Dieu, mon Dieu. Il y a la caméra discrète. Oui. Voilà. Alors, je te propose de tricher sur la bande d'arrêt d'urgence comme dans Proximator. Ouais. Voilà. Ça, c'est mes habitudes. Ouais. Ça me va bien. Tu vas aller, le chien. Oui. Mais l'espèce canine vient du chien. Oui, à 90%. Ouais. L'origine, c'est des loups qui ont été domestiqués par l'homme. Ouais. C'est là où on a vu. Alors, moi, ce que j'ai du mal à me convaincre, c'est de me dire que de le descendant du loup, on arrive au chihuahua. Comment on est arrivé à miniaturiser un loup, c'est waouh. Ouais. Comment on est arrivé à miniaturiser une panthère noire en 10. Non, mais c'est oui. Ah, les bizarreries de la nature. Ah bon? Oula, oui. Ah, il y a un petit gonflet, je pense. C'est irrévérencieux ce que je veux dire, mais la madame est peut-être lourde. Ah, il pleut! Ça y est, il pleut. Oula, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Ah oui, tu jettes le déchet. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, 3 gouttes. Aux événements de la ville. Je me demande finalement si c'est pas le boum boum que j'avais entendu hier soir venait de là. C'est sympa. Ça, c'est des stands pour le livre sur la place. Au hasard, je vais tout accoucher. Ouais, quand ça c'est bien. Ah, j'ai pas de connerie. Oh, ça garde son aspect fonctionnel. Oui, ça garde son aspect fonctionnel. Bah oui. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu autant d'allô aux pieds. Oh la vache. Une fois, il n'est pas coutume. Pour protéger mon sac, t'as vu? Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Et justement, certains scarabées sont faits exprès comme ça. Ah. Ils ouvrent complètement le corps, capuchon, et un truc pour tenir la capuche. Comme ça, quand t'es en vélo, tu protèges et ton sac et ton corps. Et ta tête. Beaucoup, mais je vais quand même le mettre. J'ai peur de ne pas bousiller mon brushing.
Ouais, il y en a qui attendaient le retour de la fraîcheur. On peut ouvrir les Velux. Là, c'est bien, ils ont vu sur le parc. Ouais. Bah, je sais pas si c'est vraiment le coup. Moi, je mettrais des grands rideaux pour garder mon intimité. Oui, tout le matin, tout. Oui. Ouais, pour mater le spectacle. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est toujours un coin de verdure à plus dans la ville. C'est très bien. C'est idéal. Et derrière, ça donne sur la place Carrière. Ouais, c'est ça. Bienvenue sur la place. C'est ça. Oh, je remontrerai, illustrerai ton propos sur une carte. Ouais, c'est 3 gouttes, c'est un premier nuage. Mais j'ai bon espoir de rentrer chez moi sans mettre l'imperméable. Pourquoi ? Je vais mettre des affaires dans le sac, ah, dans une poche. Tu veux le faire maintenant ? Non, mais je t'inquiète pas. Ah d'accord. Je peux le faire en marchant. D'accord. Alors fais gaffe de ne pas tomber, on approche une bouche de goût. Mon sac il est étanche, je ne sais pas si c'est encore mieux. Oula, je m'écarte parce qu'il y a des manifs qui arrivent. Ça y est, nous sommes arrivés. Ciao mon cher Froboze. Ouais. C'était cool, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, puis sinon, on se fait contact sur Rocomdab, Discord et tout. Hein. Ouais. Tu sais comment joindre. Ben merci, c'était sympa. Ah ben merci à toi, ouais, j'ai adoré. À la fin, c'était épuisant, mais ça va. Ouais. Ah, c'était cool. Hâte de voir le direct chez Bastos. Ah oui, il va être 20h. Ouais, ce soir, dans une heure. Je prends son antenne dans une heure, Bastos. Interview, petit coupac, petit catch. Tu vas par là, toi ? Ouais, je vais... Oh non, je vais passer par la vieille ville. D'accord. Comme la caméra tourne, je vais faire un bonus. D'accord. Je vais faire un bonus. J'espère que je vais pas être trop ralenti par les cendres de la ville de la place, mais on va voir. Ouais. Eh bien, écoute, ça, j'ai plaisir. Ouais, et je te dis merci, à bientôt. À plus. Ce soir, sur... Ouais, ouais, volontiers, merci. Ah, je vais passer par là. Ciao, ciao, merci pour tout. Avec un bon chapiteau, ça casse la circulation. Je
T'as vu, t'as vu. Une paire de lundi. Ah, c'est le réseau.